Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de février, donc qui pour moi était en 5 semaines. Et au passage, faire un petit bilan sur la clôture du mois de février. Donc j'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Pour nous, le mois a été un peu long, ça a été un petit peu compliqué parce que mon mari a reçu son salaire en décalé, il l'avait déjà reçu. Et on a eu pas mal de dépenses, etc. Donc on a dû ajuster un petit peu notre clôture de ce mois-ci. On va commencer par les clôtures des enveloppes budget. Alors, ça, c'est la fin de mes courses. J'en ai pour 2,17 €. Alors, pour rappel, ce que je fais, moi je garde les grosses pièces qui vont dans mes petits défis et les petites pièces dans le défi des centimes. Parce que je préfère faire des tout petits défis et en l'occurrence des défis comme là par exemple, on va clôturer ensemble l'enveloppe pour le mois de. L'enveloppe pour mince, les 15 ans avec mon mari. Donc, hop, celle-ci de côté. Ensuite, ça, c'était les 10 euros de mon mari. Et donc, sur ces 10 euros, il nous reste 4,66 €. Hop, donc ça de côté. Ça de côté. Est-ce que vous voyez bien? L'enveloppe plaisir, celle-ci, je n'y ai pas touché. Il me reste donc 10 euros. Santé d'hiver non plus. Secours, normalement, de mémoire, j'y ai pas touché non plus. 10 euros. Ça fait plaisir. On va pouvoir bien augmenter notre petite enveloppe. Les filles. Donc, sur les filles, il me reste 5, 10, 25, 27, 29, 31, 33, 33 et 10 centimes. C'est l'argent de poche pour si elles ont bien travaillé à l'école, si elles ont aidé, etc. Et comme ça n'a pas l'air d'être folichon, tout ce qui n'a pas été mis pour elles, ça ira pour notre enveloppe budget à moi et à mon mari pour nos 15 ans. Animaux jardin. Alors là aussi, il restait un petit peu normalement. Donc 10 euros. 10, 12, 12, 12,60. Robin, finalement, on n'a pas fait. Et beauté, il reste plus rien. Normalement, on a tout passé. Petit, fille, ouais, c'était 0. Et voilà. Oh mince, pour
pourquoi j'ai mis 10, 4, ah mais non, 4 semaines, pardon, elle était en 4 semaines ma semaine, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, donc voilà, c'est tout vide, ça fait de l'argent, je suis contente, donc, 2, 4, 6, 7, 80, 85, 90, 98 centimes. Donc ça, ça va dans notre défi des centimes. Je mets là-dedans, parce que j'ai pas encore vidé toute ma boîte à centimes du précédent défi des centimes. Hop. Semaine 9. J'ai dit, je crois, 98 centimes. C'est ça, je crois. Je m'en rappelle plus. Oui, ça devait être ça. 98. Ah bah non. 98. 98, oh là là, j'arrive à la fin de la journée, excusez-moi. 98 plus 60, 158, ma vie, 150. Hop, 1, ah mais non, c'était le précédent. Je fais que des bêtises. Je l'ai imprimé le nouveau. Mais oui, je l'ai imprimé le nouveau. Hop, semaine 9. On a dit 1,58 euros. Plus 64. Mince. 1,58. 1,64. Donc 3,22 1,58. Ah, j'ai pas. Ça fait 1,40 et 1,18. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. J'avais dit que je voulais pas faire long. Je m'excuse. Ensuite, donc, moi, je préfère en fait faire des petits défis. Je sais pas si vous voyez. Donc là, par exemple, c'était les 15 ans avec mon mari. Et ensuite, on fera Pâques. Donc Pâques, ce sera 30 euros. Et fête foraine. Ensuite les anniversaires, donc la petite nièce, fête des mères, anniversaire, etc. Et du coup au moins ça sert directement pour acheter les choses qu'il va falloir, pour lesquelles il va falloir que je débourse. Donc et puis j'aime bien quand c'est des petits défis, par exemple à Noël, 15 euros, ça va super vite. Et c'est pour ça que je veux absolument garder toutes mes pièces. Donc... Et comme c'est très proche, eh bien en fait on va la clôturer là avec ce qu'il y aura. J'ai pas pris mes crayons de couleur, c'est pas grave. Alors 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
4. Ensuite, 5 euros, 1, 2, 3, 4, 5, il va falloir que je range tous ces petits sous après, je vous remets là, oh pardon, je vous fais bouger, oh, encore donc 30, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 110 euros. Oh. C'est génial. Hop. Et donc celle-ci, on va pouvoir la clôturer et je vais marquer que l'on a fini donc en S9, 15 ans et on a mis 110 euros de côté. On a donc quand même pu mettre dans les enveloppes qui ont été clôturées 160, 190 euros. Je l'ai compté celle-ci. Je ne sais plus. Alors, on va compter 10. 20. 40, 50, 60, 70. 80, 90, 2, 4, 6, 8, ça fait 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ah, 109, hop, 109, et en même temps ça m'étonne pas parce que je sais que j'avais un petit décalage, hop, 109, hop, donc 109 euros, bon c'est pas mal, hop. Donc je vais m'en servir de ça, je vais me faire un peu de monnaie parce qu'à chaque fois le distributeur il me donne que des billets de 20. Donc ça va me permettre de faire un petit peu de monnaie pour les prochaines semaines. Et je vais juste corriger ici 109 euros. Ce qui fait... 89 euros. C'est pas mal. Donc 189 pour cette fin de mois. Donc comme ça a été un petit peu chaotique,
il nous restait à la fin du mois 103,15 €. Ces 103 euros, on les a laissés sur le compte. Je ne les ai pas remis dans les enveloppes virtuelles. Donc, tout simplement parce que on va avoir des grosses dépenses là qui vont arriver, qui n'étaient pas prévues. Enfin, une partie est déjà passée. On a eu des rendez-vous encore à l'ophtalmo, au médecin. Du coup, on est trois à devoir apporter des lunettes. Moi, mes deux filles. Donc, on n'a pas touché. On a laissé sur le compte, comme ça, bon, bah, ce qu'il fallait débourser, on va le débourser là. Et en plus de ça, je vous avais dit dans l'une des vidéos précédentes que on va avoir... Oh, il manque... Oh, j'avais pas fait attention. Il manque les catégories devant. Il y a les... Mince, l'assurance scooter que j'avais complètement oublié qui passe sur le compte. Donc, on va retirer de l'enveloppe qui était normalement prévue pour le secours. On va la passer sur l'assurance. Je vais le rééditer ça. Mais voilà, du coup, on n'a pas touché. On n'a pas touché. On n'a pas remis du coup l'argent dessus. Et simplement, on le fera avec la fin du mois de février. Parce que sinon, là, ça va être la fin du mois de mars. Parce que ça va vraiment, vraiment être le bazar. Bon, bah, sur ce, j'espère que pour vous, la fin de mois était moins chaotique que la nôtre, mais en tout cas je suis très contente parce que cette enveloppe là est finie et on va pouvoir passer à Pâques. Donc Pâques ce sera 30 euros et celle-ci bah, j'espère quasiment la finir en fait à la fin de cette première semaine du mois de mars. Voilà. Et ensuite on va passer à des enveloppes qui vont être pour un peu plus loin. Donc la fête foraine ce sera pour le mois de mai. Et l'anniversaire de la petite nièce fin mai. Mais malgré tout j'avance sur mes défis parce que après donc au mois de mai il y a aussi la fête des mères. Ensuite il va y avoir tout de suite après l'anniversaire de mon mari, il y a la fête des pères, il y a l'anniversaire de ma meilleure amie et en même temps que son cadeau à elle je vais prendre aussi le cadeau pour ma belle-sœur qui est de fin d'année. Mais comme ce sera ce sera sur les mêmes sites, je ferai qu'un seul paiement. Et donc on a après tous les anniversaires au mois de juillet et là ça va vraiment être d'un seul coup. Donc autant s'y mettre tout de suite et remplir toutes les enveloppes. Et le but pour moi ça va être de remplir un maximum rapidement jusqu'à décembre pour toutes les enveloppes de Noël. Et si je peux avoir un roulement comme ça et une visu sur un an de toutes ces petites fêtes, ces petites dépenses là qui sinon en fait grève le budget parce qu'on se dit tiens allez 20 euros par ci, 50 euros par là, bah mine de ça fait beaucoup. Et là quand on voit par exemple bah, voilà ce que j'ai pu mettre 180 euros quand même de côté, bah je suis quand même très très contente parce que 180 euros juste sur les économies de la semaine sur les fins d'enveloppe, et eh ben c'est pour moi c'est chouette. Voilà, donc je suis quand même très très contente. Et puis bah du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis désolée parce que on est un peu fatigué là en ce moment, il est tard et je suis pas rentrée de bonne heure du boulot, donc j'ai plus tout à fait la tête dedans. Du coup bah, je vous embrasse et n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je vais faire la vidéo du mois de février, là je vais la préparer, si je peux je la prépare ce soir, sinon bah ce sera demain. Sur ce je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.